Il a déjà tout gagné. À 26 ans, c'est la star du ski nordique français. Somfy vous plonge dans les coulisses de l'après-titre olympique. À l'aube d'une nouvelle saison, Maurice Magnifica se confie. La médaille olympique l'a galvanisé. Le Comté présente l'interview du mois de décembre. Objectif Pyeongchang pour les jeunes pousses de l'équipe de France. Jules Beau vous présente ceux qui feront 2018. Premier portrait jeune avec Anaïs Chevalier. Alors d'abord, je voudrais vous remercier, parce que grâce à vous, j'ai compris les règles de Mass Start, cette course, de Mass Start. Des médailles olympiques pour médiatiser une discipline, il n'y a rien de mieux, et Martin Fourcade en est devenu le meilleur ambassadeur. En France, et à l'étranger surtout. Moscou, un mois tout juste après Sochi, tournée promotionnelle et accueil de rockstar. Il y a eu mouvement de foule, du coup on nous a rapatriés et donc on est cachés pour éviter les meutes dans le magasin. Mais du coup on est en local à Bali. Shooting photo, croisière VIP au pied de la place rouge, Martin Fourcade a changé de dimension, médiatique et économique. Mais il faut faire encore quelques tours de piste pour mériter les vacances. Ça se remet à neiger, c'est bien pour la course de demain, mais c'est vrai que là je commence à rêver de soleil un peu. 15 jours dans l'océan Indien, pas un de plus, et retour à l'entraînement. 6 mois à faire du vélo, du footing et du ski roue, entrecoupé par une mononucléose, coup dur au milieu de l'été. Ça a été une période un peu compliquée pour moi. Parce que je vis biathlon tous les jours de l'année et voilà, de sentir que j'étais pas dans mes bases, de sentir que je pouvais pas progresser, que j'arrivais pas à me donner à 100%, ça a été une période compliquée. Alors aujourd'hui, je suis content d'avoir sorti la tête de l'eau, de revivre, de respirer normalement et d'avoir surtout des ambitions pour la saison qui arrive aussi élevées que ceux que j'espérais. L'an dernier, il avait trosté le maillot jaune toute la saison avant de remplir l'armoire à trophées de son équipementier. Mais en 2015, le plus difficile sera sans doute de gérer tous les à côté. Je l'ai posé en vue à côté du meuble télé, là, donc elle est toujours elle est dans sa boîte, mais elle est toujours visible. Et de toute manière, on doit l'emmener un peu régulièrement, ou alors des gens qu'on croise qui ne sont pas forcément du milieu du ski nous en parlent. Voilà. Ah oui, vous êtes le relais du ski de fond, ouais, on a regardé. Il faut se servir de cette médaille pour faire prospérer ça et continuer l'aventure. Au niveau du matériel, j'ai changé de marque, je suis passé sur Salomon. Avec Fischer, j'avais construit un parc de ski. Et quand un coureur change de marque, c'est on repart à zéro. Faut reconstruire un parc de ski pour toutes les neiges. Au-delà des histoires de contrats, tout ce, voilà, c'est vraiment une philosophie, l'envie de changer, de comment je crée un nouveau challenge. Tout comme un peu, changement de coach cette année, il y a eu plein de choses, le bébé qui est arrivé. Ça peut mettre des difficultés, mais c'est des difficultés dont on a envie, enfin mine de rien, j'ai envie de ça. Là c'était le moment, année médaille olympique, on tourne la page, hop, et c'est comme ça, c'est un peu des phases, c'était le moment de le faire. Avec ou sans médaille, de toute manière, il y aurait toujours eu la motivation et les objectifs qui seraient derrière les mêmes. J'aimerais bien avoir ce Graal, cette petite médaille en individuel sur un championnat du monde. Et pourquoi pas aussi réitérer ça aussi en relais. J'aime le classique, mais pour autant, les résultats en classique font que je peux pas non plus rivaliser. J'en sais rien.
Mais de par mon vécu, je sais que les skiathlons, ça me va mieux. Il y a le relais, il y a après les 15 skates, n'en parlons pas. Tout ce qui est skating, de toute manière, j'ai fait mes meilleures performances sur ce genre de format. Il y a le tour de ski. Le tour de ski, je me pose encore la question de se dire, voilà, il y a pas mal d'athlètes, on le voit bien, de top athlètes qui font l'impasse pour... parce que justement, ils se concentrent sur le championnat du monde. Ils veulent mettre toutes leurs cartes, toutes leurs billes dans le championnat du monde. Moi, je n'ai pas spécialement envie. J'ai envie de jouer aussi la carte du tour de ski. Donc voilà, j'ai quand même une certaine polyvalence. J'ambitionne un peu partout. Ouais. Tous les deux ans, la Coupe du Monde revient à la Clusaz. Donc c'est aussi un gros objectif parce que c'est l'occasion aussi pour les supporters, pour les gens qui nous suivent, de venir nous encourager et nous voir en chair et en os, enfin, à l'œuvre, quoi, on va dire, autre qu'à la télé. Il y a un skiathlon et un relais, donc en tout cas le dimanche, je pense que ça peut être sympa. On ne sait pas encore quelle configuration il y aura dans ce relais, ce ne sera peut-être pas le relais des Jeux. Il y a des sélections, il y a des jeunes qui poussent derrière. C'est ça justement qui fait qu'aussi que le ski de fond français marche très bien, c'est qu'il y a une histoire un peu avec ce relais. En tout cas, on les attend, on a envie que ça... Tant mieux si ça fait bouger un peu si ça nous fait bouger un peu, ça nous tire vers le haut. Chevalier, 21 ans, biathlon. Anaïs ? Non, mais elle est top. Elle est top. Un peu jeune, mais elle est top. Posée, oui. Calme. Très mature pour son âge, je trouve. Quelqu'un de très intéressant et puis de très déterminé aussi. J'ai un fort caractère, faut pas m'embêter. Elles le savent, les filles ? Ah oui, elles le savent. Elles l'ont pas testé encore, mais elles le savent. Un fort caractère derrière une personnalité discrète. Anaïs Chevalier n'a pas fait de bruit en arrivant sur la Coupe du Monde il y a pile un an, mais elle s'est appropriée en douceur la 4e place du relais olympique, presque à la surprise générale. J'ai débarqué, ouais, c'est le mot. Et puis voilà, je pense que j'ai fait ma place, alors j'espère que je vais consolider ma place en tout cas. C'est des filles qui sont quand même un niveau au-dessus de mon niveau, surtout en ski. Et ça m'a vraiment permis de voir comment elle bossait, comment elle travaillait et de m'en inspirer. Marie-Laure Brunet à la retraite, Marie Dorin qui pouponne. La deuxième Anaïs fait presque déjà figure d'ancienne dans cette équipe de France New Look. C'est vrai que ça fait bizarre du coup parce que je me sens un peu, je sais plus trop dans quel groupe je suis et tout, mais je pense que c'est très important pour nous que ça pousse derrière parce qu'on a vraiment besoin de ça pour progresser. On les a bien reformés là, donc nettoyage des skis, parfait. Mais à 21 ans, il reste encore quelques bonnes habitudes à prendre. Un coup sur les champs. Ouais. De la musculature aussi pour tenir la cadence à ski des meilleurs. Ouh. Et s'installer dans les premières mondiales en attendant mieux. J'espère au moins que par rapport à l'année dernière, les efforts ils se verront et que je rentrerai plus souvent dans les 30, que mes temps de ski seront... de temps en temps meilleur que l'année dernière. Après, en termes de place, j'en sais rien. Franchement, je sais pas. C'est vraiment... Marquer des points, en tout cas. Voilà, marquer des points, être aux mondiaux et faire de belles courses. Ce sera déjà pas mal. Nous sommes le 9 mai. Il fait actuellement 15 degrés. J'ai décidé d'arrêter le biathlon. We'll be right back.
Voilà, Jackie, notre cuisinier, le papa de Romain, et qui prépare ce soir pour son fils, comme il n'aime pas le saumon. Une omelette au lardon, on est compté. Et la petite touche finale de comté, incontournable.